Hey, Fletch, comment est-ce qu'on devient le chef d'une troupe? Tu te demandes comment ça se fait que Kuno est devenu notre chef? En général, je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire au juste? Je dirais qu'il faut imposer le respect et faire ses preuves. Et comment? Eh bien, mettons... Pratiquez vite l'exorcisme, j'ai sommeil, moi. disons... Peter Berman. Et mettons que ce mercenaire s'imbibe tellement qu'il croit pouvoir conquérir une forteresse à lui tout seul. Et qu'il récolte une flèche dans le cul pour sa peine. Quand le chef voit ce mercenaire allongé dans la cour de la forteresse, avec un paquet d'ennemis qui rappliquent pour l'achever, il donne de l'éperon pour surgir dans la cour, empale de sa lance le premier ennemi qu'il croise, il saute à bas de sa monture lancée au galop et frappe de son bouclier un deuxième adversaire. Ensuite, il lance son bouclier sur un troisième et fonce sur lui pour le tailler de son épée. Il relève l'ivrogne, le jette en travers de son cheval et détale la bride abattue. En sortant, il allonge un dernier coup de botte au visage d'un garde et s'enfuit sous un déluge de flèches. Et donc, en général, c'est ainsi qu'on impose le respect et qu'on fait ses preuves. Kuno ne ferait jamais ça pour moi. Ça, tu n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Berman lui devait de l'argent. Alors c'était aussi dans son intérêt de... On se met en route? Oui. Nous allons prendre la route de Sasso dès aujourd'hui. Jacquet a entendu une rumeur à la taverne de Ledetchko, comme quoi des cavaliers inconnus auraient été aperçus. La compagnie de Hagen? Peut-être, ou pas. Le fait est qu'ils ne sont pas du coin. Ce n'est peut-être que l'escorte d'une caravane marchande. Jacquet, pars en reconnaissance. Je ne voudrais pas qu'on ait de mauvaises surprises. Et trouve-nous un endroit pour camper. Oui, chef. Qu'est-ce qu'il a, notre Jacquet? Il répond plus. Tu lui as donné une gorgée de schnapps au dîner. Peut-être qu'il lui en a poussé une paire pendant la nuit. Tout ce que tu lui as servi, il lui a ôté l'envie de vivre. To be debite potoki vina, nes menis nesere semesis viva, nes menis nesere escas eslavi, citeli piem neste vainam labi. Hey! Gestia citele plemeno hadi, pusti exodia bona gestadi. Où est-ce que t'es? Henri, j'arrive, mon frère. Ils sont sur la mer. Il faut revenir sur la rive, vite, avant qu'il ne nous encercle.
Donc voilà d'où nous sommes venus. Suce à l'ennemi. C'est la mort qui t'attend. Vers les bois, nous leur échapperons là-bas. Et maintenant ? Je ne sais pas. Il pourrait être embusqué n'importe où. Quelqu'un a dû nous trahir. Alors c'est chacun pour soi. Tout juste. Tu crois que c'est l'un des nôtres qui a tourné Kazakh ? Regarde autour de toi. Qui manque à l'appel ? Jacquet. Je l'ai envoyé en avant-garde. Et il sait précisément où nous allons. Ce sale petit Judas ! Si je lui mets la main dessus, il regrettera le jour où il est né. Je vais tâcher de le retrouver.
Il ne doit pas être bien loin. Non, c'est trop risqué. Il aura peut-être des hommes d'Hagen avec lui. Le mieux, c'est que nous partions d'ici en un seul morceau. Yeah. Yeah.